Bon, tu as 400 euros de budget et tu souhaites t'équiper en musculation afin de créer ton propre home gym, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Si tu as un budget beaucoup plus bas, j'ai fait 3 vidéos, se créer un home gym à 100 euros, se créer un home gym à 200 euros, se créer un home gym à 300 euros et là, c'est à 400 euros. Donc là, ouais, on arrive à un budget un peu plus sérieux concrètement pour se faire son home gym. D'ailleurs, je t'invite à voir toutes mes vidéos précédentes parce que ça peut te donner beaucoup d'idées afin de se créer un home gym avec moi, ce que je préconise. Bien entendu, c'est juste mon avis, c'est ce que j'ai en plus à la maison et ce qui m'a permis de progresser concrètement à la maison aussi et m'entretenir à la maison. Mais là, vas-y, je me suis dit, dans la vidéo qui était juste avant celle-ci, je me suis dit à partir de 300 euros, comme on prend plus ou moins la même chose, j'ajoute un accessoire ou deux en plus. À partir de 400 euros, eh ben, je vais prendre des machines multifonctions. Je commence à prendre les machines multifonctions. Le problème, c'est que comme moi, je me base sur le site de Decathlon pour faire cette liste d'achat de matériel, eh ben, Decathlon, les machines multifonctions, ça a plus de 400 euros. Là, ça, c'est vraiment à partir de 450, 460, 500 euros. Donc, ça sera la prochaine vidéo. En revanche, j'ai trouvé un truc ultime. J'ai trouvé un truc de fou. J'ai trouvé un accessoire, enfin du moins un pack excellent pour 400 balles. J'ai trouvé un set de fou, un set ultime pour 329 euros. T'as un banc de développé couché avec une barre pour faire ton développé couché, une barre Z et des haltères. Avec je vois un set complet de 97,5 kg. C'est-à-dire que tu as 97,5 kg de poids. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ce set-là, il est incroyable. Pour un débutant en musculation, tu prends ça, t'es bien. 329 balles, je suis désolé, avec ça, t'es bien. Après, tu peux voir ma vidéo pour les 300 euros de home gym. Tu t'achètes quoi? Tu t'achètes une petite barre à dips, une barre de traction, et t'es bien. T'es très très bien. Voir une barre de traction, et t'es bien. Là, je suis désolé, là, c'est un setup où tu peux tout faire. T'es complet. Sachant que ça, c'est ce que j'utilise tout le temps, moi, personnellement. C'est-à-dire mon banc, haltère, barre Z. La barre droite, je n'utilise pas. Mais banc, haltère, barre Z, c'est ce que j'utilise personnellement pour tout. Franchement, c'est un bon partenariat de Decathlon avec Gorilla Sport. Et je trouve ça vraiment incroyable, incroyable et intelligent de faire ça. Parce que là, on est vraiment dans un pack complet et intéressant. Si vraiment tu as un gros budget et tout pour faire ton home gym, ben là, on est bien. Bon, pour moi, c'est un gros budget. Hein. Je suis désolé, peut-être que non, pour eux, c'est rien et tout. Pour moi, on est sur du gros budget. 329 euros, c'est quelque chose. Donc, c'est vraiment bien et vraiment, vraiment intéressant. Néanmoins, il y a peut-être un problème. Peut-être un problème dans ce type de configuration, c'est le banc à développé couché là. Le banc, on dirait qu'il s'incline pas. J'ai vu à peu près les photos et tout, j'ai l'impression que le banc il reste droit. Donc ça peut être un gros inconvénient, ok? Parce que ton haut des pecs, tu pourras le travailler difficilement avec tes haltères ou avec ta barre. Et ça, malheureusement, c'est une grande erreur. On a moins de polyvalence qu'avec un banc où on peut l'incliner. Parce que voilà, pour bosser le haut de tes pecs, tu seras obligé de faire des pompes en décliné avec un gilet lesté pour ajouter du poids. Et ça, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont des messages et qui ont ce problème-là. Ouais, j'ai pas de banc. Ouais, je peux pas incliner mon banc. Comment je peux faire pour le haut des pecs? C'est compliqué. Pour bien le bosser efficacement, c'est compliqué, les mecs. Faites des pompes déclinées ou attendez d'acheter un banc où on peut incliner pour bosser efficacement le haut des pecs. Sinon, concentrez-vous sur le bas, dessinez bien le bas des pecs et quand vous serez en salle de sport, vous allez matraquer le haut des pecs tout simplement. Autre point qui peut être négatif, la barre Z, je ne sais pas si c'est une vraie barre Z de Decathlon, d'accord? C'est une barre Z de Gorilla Sport, d'accord? C'est chez eux. Decathlon, pour moi, ils ont la barre Z. Leur barre à 35 euros, c'est la barre Z que j'aime. La barre Z qui me fait pas mal au poignet, la vraie barre Z avec un bel incurvé. J'aime bien leur barre Z, ok? Donc du coup, à voir. Je ne sais pas si les inclinaisons sont comme moi j'aime, mais après voilà, c'est moi. Ça reste quand même une barre Z. On peut faire des bons exercices, les meilleurs exercices bras selon moi avec.
avec moi ressenti personnellement. Donc c'est un bon pack malgré tout. Et personnellement, ce que j'aime avec ce genre de pack, c'est que dès que tu l'achètes, t'as tout en même temps. T'as ton banc, t'as tes haltères, t'as ta barre, t'as tes poids. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu l'achètes, tu le montes, et dès que c'est monté, tu peux commencer des programmes. Sachant que c'est le pack typique qui correspond à ma chaîne et mes programmes de musculation. Donc avec ça, t'es bien. Bien entendu, je vais faire des programmes avec l'élastique et tout. Je devais les faire en 2021. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de les faire. Je fais beaucoup de vidéos, mais j'ai pas fait les programmes avec l'élastique. Donc, on va en faire prochainement. Mais ça, c'est vraiment le pack. Le pack pour gagner du muscle. Le pack pour être tranquille. Si tu comptes pas te faire vacciner, tu comptes pas aller à la salle maintenant, tu comptes te préparer pour l'été et tout, c'est le patch à prendre, clairement, pour être tranquille. Bon, après, voilà, je l'ai dit dans les autres vidéos, mais je le redis ici. Moi, je me base sur Decathlon, d'accord? Parce que tout le monde connaît. Mais si tu as un site ou tu as un autre endroit où tu as un pack similaire, moins cher, ben, prends-le. Clairement, prends-le. Tant que c'est pas un site bizarre, prends-le. Même le Bon Coin, où tu peux trouver des offres incroyables, vas-y, ok? Vas-y. Moi, pour moi, si le banc pouvait s'incliner, ça serait le pack ultime. Clairement, ça serait le meilleur pack. Best pack ever. Il est déjà très, très bien. Il y a des inconvénients, mais tu peux quand même bien, bien travailler avec. Clairement. Bon, là, on va se projeter un peu sur les autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Enfin, les autres vidéos de cette playlist-là de matériel de Home Gym. À partir de 500 euros. On va parler machine, d'accord? On va parler machine multifonction, ok? Parce qu'en fait, là, on va tourner en rond et on va redire la même chose à chaque fois. Et les machines, je trouve ça intéressant, notamment pour travailler le dos, pour travailler les pecs, les jambes et tout. On va parler de ces machines-là, concrètement. Et je vais partir dans l'optique que tu as déjà des haltères à la maison, que tu as déjà un banc, une barre Z. Tout ce qui est barre de traction, je vais partir dans le petit que tu as déjà tout ça. On va parler uniquement des machines. Est-ce que c'est intéressant à prendre ou pas? Si oui, non, lesquelles prendre? Lesquelles je préfère et tout? On va parler de ça avec le prix jusqu'à 1000 euros. Bon, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que tu as pu kiffer. Je suis désolé, hein, chercher des machines à moins de 400 euros ou à 400 euros pile, mais j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un set intéressant et je voulais absolument te le présenter. Donc, si tu n'as rien acheté de tout ça, moi, je trouve ça intéressant de te pencher dessus. Ça peut être intéressant pour progresser et évoluer concrètement. Si tu aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça aide au référencement et à avancer dans la chaîne, tout simplement. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five on a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.